Non, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Ma langue passe et repasse sur mes lèvres sèches. Ma gorge se dilate et mes mains se tendent. Mes yeux brillent d'envie. Tout mon être, mon cerveau, ma raison, mon imagination aspire à la complète jouissance. Et puis, ce froid, ce terrible grand froid qui glace mon corps, sape en moi tout élan et me ramène au rôle solitaire et ingrat de l'observateur. Non, tu ne peux pas comprendre. Maman, le doux nectar ne m'enivrera jamais. La douce flamme n'enflammera point mon cœur et ne fera pas vibrer mon corps d'allégresse infinie. Le plaisir m'est interdit car je ne suis pas l'honorable invité de l'amour. Arrête de gémir. Un homme ne pleure pas. Je ne suis pas ici pour écouter tes jérémiades, mais essayer de trouver avec toi une solution et je reste convaincue qu'il existe dans le mariage. Mon opinion, maman, est que tu dois te marier. Il doit se marier. Wow. Du théâtre au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons voyager avec Cédric Sow, avec son pièce théâtrale intitulée Le troisième du couple. Tout d'abord, sachez que Cédric Sow, c'est un écrivain et un éditeur sénégalais. Il a d'ailleurs obtenu le prix du président de la République avec son roman « La Reine des sorciers ». Il a écrit plusieurs nouvelles, plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre. Alors, que nous raconte le troisième du couple? Je vais vous mettre dans une scène. Une scène où vous êtes un jeune homme. Vous avez tout pour plaire, vous êtes charismatique, vous êtes beau. Et vous avez plein d'argent. Mais vous avez un problème. Vous êtes impuissant. Vous ne pouvez pas satisfaire le désir d'une femme. Voilà la situation dans laquelle se trouve Amsata. Il est éperdument amoureux de Oulimata, mais il ne peut pas la satisfaire. Et il a envie de se marier. Le problème qui se pose là, c'est que il se demande comment il va satisfaire cette jeune femme quand ils seront mariés. Et de l'autre côté, voilà que sa mère le fatigue. Il le fatigue tellement à lui dire que « Mon fils, j'ai besoin que tu te maries avant que je meure. J'ai besoin d'avoir des petits-enfants. » Vous connaissez les mères sénégalaises. Et pour cela, sa mère lui propose une solution. Mais une solution que la morale n'accepte pas. Il lui demande d'aller voir son meilleur ami Lamine pour qu'il puisse l'aider. Mais comment Lamine peut aider son ami qui est impuissant à s'en sortir alors que ni la médecine, ni les marabouts, ni les traditions n'ont pu l'aider? Amsata demande à son meilleur ami Lamine de devenir le troisième du couple. Ainsi, lorsqu'il sera marié avec Oulimata, c'est Lamine qui va satisfaire sa femme dans ce mariage. Un problème se posera. Et vous allez vous dire quel problème? Le problème qui se posera, ce sera l'amour. Car Lamine va finir par tomber éperdument amoureuse de la femme de son meilleur ami. Et de cet amour va naître une magnifique jeune fille. Comment l'histoire va-t-elle se terminer avec tout ce chamboulement qui va arriver? Pour cela, je vous inviterai à découvrir cette pièce théâtrale. Et moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est le ton des personnages. L'auteur nous fait ressentir ce que les personnages disent à travers les dialogues. Lorsque nous lisons, nous nous mettons en colère. Nous nous sentons bien parfois à travers lorsqu'ils disent des choses qui nous font ressentir une émotion profonde. Mais parfois, la colère monte. Et il y a ce ton qui monte, qui descend. J'ai vraiment adoré cela. Parfois même, je me mettais à lire à haute voix pour ressentir davantage ce que les personnages disent dans leur dialogue. Le troisième du couple de Cédric Sow, c'est une pièce théâtrale que je vous invite, chers lecteurs, chères lectrices, à découvrir. Un livre passionnant, plein d'émotions et plein de choses. Et pour finir, je fais un clin d'œil à tous ces hommes qu'on fatigue de dire « mariez-vous, mariez-vous ». Parce que souvent on dit que ce sont les femmes qu'on fatigue
pour se marier, mais là, dans le troisième du couple, on voit clairement que c'est un homme, un personnage masculin qu'on fatigue pour se marier. Amis lecteurs, amis lectrices, je vous dis à très bientôt avec un autre livre pour un autre voyage. Merci beaucoup.